la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Et oui, le jour J, je fais la tendance de votre semaine. Je ne fais pas l'avance, il faut que je ressente les choses. Alors là, vous allez pouvoir voir les boîtes des oracles et des tarots que vous voyez et que vous avez choisis. Alors non, ce n'est pas à but commercial que je vous parle de ces oracles, c'est vraiment parce que je les adore. Et quand j'aime bien les choses, je partage avec bienveillance et sans business. Allez, c'est parti. On regarde aujourd'hui pyramide numéro 1. On va regarder donc la magie des pierres, les portes du monde mystique. Parfait, j'adore. Alors, c'est vrai que quand le vendredi, je pose les oracles, je ne les regarde pas. Je suis pas curieux, je laisse faire les choses. Alors, l'amour, réaliser ses rêves, la féminité. Alors, si tu as choisi cette pyramide, ce premier choix, c'est qu'effectivement, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour, là, les cartes représentent le printemps, représentent l'indépendance de la femme et le choix. Donc, cette semaine, il est fort possible que tu fasses un choix pour peut-être trouver une indépendance. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être aussi amical. On est vraiment dans de la généralité. Donc pour moi, ce sont des cartes qui sont positives. Tu vas enfin te retrouver, enfin te recentrer sur toi. Et puis on n'arrête pas de le dire. La méditation, la sophrologie, la guidance, tout ça, c'est le moment pour se retrouver et puis aller au plus profond de ce que l'on est. Le quartz rose, la génération. On est là vraiment pour découvrir plein de choses et se faire plaisir et enfin penser à soi. Là, on est sur notre deuxième choix. Ah, j'avais oublié de vous reparler des fameux bracelets de l'amour de chez Loomterra.com. Et puis, je pense faire un petit cadeau pour tous ceux qui auront acheté ces bracelets, la compatibilité amoureuse. Je contacte le service com de Loomterra demain matin. Et puis, pourquoi pas, pour les 15, ah non, allez, soyons fous, pour les 20 premiers qui auront acheté les bracelets Loomterra.com pour la Saint-Valentin, donc les fameux bracelets aimants pour madame et madame, monsieur et monsieur ou madame et monsieur, tac, vous voyez, ils sont aimantés. Donc pour les 20 premiers, je ferai la compatibilité amoureuse. Donc j'appelle demain Loomterra.com et ils me donneront toutes les informations pour les 20 premiers. On regarde notre deuxième choix. On regarde ensemble. C'est parti. J'ai pas mes lunettes de vue, donc je ne vois pas ce qu'il y a d'écrit. La maison, prendre soin de soi et la passion. Alors là, cette semaine, bon alors, c'est assez rigolo parce que deuxième oracle des pierres, on avait l'amour, on a la passion. C'est vrai que dimanche, c'est la Saint-Valentin. Dimanche prochain, le 14 février, nous fêterons l'amour dans toute sa splendeur. L'amour, l'amour, l'amour. Donc c'est assez quand même étrange que juste avant la Saint-Valentin, nous ayons ce genre de cartes. Des choses ressortent pour le mois d'avril. Soit c'est la banque, soit c'est le prêt, la vente, le changement, la mer, l'océan. Là, il y a vraiment un besoin de se ressourcer et de visualiser vraiment les beaux jours parce que vous en avez besoin. Comme je disais, voilà, il y a quand même ce cercle, tous ces cristaux, et souvent je vous parle des fameux cristaux. Voilà, c'est les cristaux, c'est quelque chose de magique. Est-ce qu'on peut dire ce mot? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec la nature? Oui, on peut le dire. Alors effectivement, tous les cristaux, toutes les pierres que l'on peut trouver, moi, je les prends donc chez Loomterra.com. Donc par rapport à cet amour et par rapport à cette passion, il y a aussi le besoin de liberté. Donc à un moment donné, il faut aussi accepter qu'on ne peut pas continuer à vivre enfermé avec une personne et il faut apprendre à changer. Donc pour notre deuxième choix, c'est la liberté, c'est la passion, c'est aussi cette plume blanche qui était là, mine de rien, c'est trouver cette liberté au plus profond de soi.
Et puis bon, on y va, hein, c'est aussi prendre soin de soi. Dans la lecture de notre troisième choix des oracles, nous avons donc notre fameux boule multifacette Feng Shui que l'on retrouve chez lumtera.com. Par rapport au troisième jeu, on est quand même là sur la femme de la médecine. La médecine ressort. On est bien sur quelque chose qui est en train de se passer, de se mettre en place. Donc faites attention à vous, simplifiez-vous la vie. Et puis on est en pleine période de nettoyage, de début de printemps. Hein. On n'a pas oublié que le 1er et 2 février, on était avec Imbolc. Simplifiez-vous la vie, j'apprécie les plaisirs. On n'est pas là que pour faire du ménage, on n'est pas là que pour faire à manger, qu'on soit un homme ou une femme. Il faut aussi accepter de prendre du temps pour vous. Et puis la manifestation, voilà, on est vraiment toujours sur nos magnifiques cristaux. Et c'est vraiment important cette semaine. Hein, les trois oracles nous disent un petit peu la même chose. L'amour, se simplifier la vie, prendre soin de soi. Et puis là, on est quand même, attention, on peut avoir, on parle bien de tendance générale, mais on peut avoir la médecine qui ressort et qui pourrait éventuellement nous écraser par rapport à certaines émotions. Si tu as choisi cette carte-là, tu sais que tu vas être un petit peu plus penché sur ton corps, sur ton esprit. Alors, la médecine, c'est peut-être pas forcément ce virus, hein, on est bien d'accord. On peut être aussi là sur ton corps. Mal de ventre, une entorse, l'épaule, la main. Tous les mots MAUX de votre corps vous donnent des mots MOTS sur votre esprit. Quand on nous dit simplifiez-vous la vie, c'est pas anodin. Donc cette semaine, on lâche un petit peu prise, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout faire et on se détend. Si on a la chance d'avoir une petite journée de soleil, on prend cette journée-là pour se ressourcer et aller vers la lumière. Et ça, on en revient encore une fois à restons dans la lumière et soyons, gardons morale, comme dirait Paulette. Voilà les bracelets de chez lumtera.com. Je leur dis dès demain, si ça les intéresse, que je fasse la compatibilité amoureuse pour les personnes qui seront soit les 20 premiers, soit un tirage au sort. Ce sera avec grand plaisir. Plus c'est complexe, plus j'adore. Et puis, team Sagittaire, team Bonheur. Comme dirait Paulette, on garde le moral. Et puis surtout, simplifions-nous la vie. C'est pas la peine de se prendre la tête. Gros bisous encore une fois à Annick et Nadège pour leur anniversaire. C'est vraiment une joie et un bonheur de fêter, de partager, même si on ne peut pas tous se voir, mais de pouvoir se dire c'est son anniversaire et c'est une belle journée. Happy birthday Annick, happy birthday Nadège, à très bientôt tout le monde.